Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi aujourd'hui et je suis avec ma fille, Kakou. Et Kakou, il est chiant là, il n'arrête pas d'engueuler Kira, la pauvre. J'ai dit, Malili, tu veux venir? Et Malili aussi, voilà, tout le monde est là. On a été chez Action tout à l'heure là, et puis après on a été manger au McDo, parce que j'adore manger les sundaes. Et j'étais super contente d'aller au McDo pour manger un sundae. Il n'y en avait pas. Sauf qu'il n'y en avait pas. Et ça fait, je crois que ça fait, cet été c'est pareil, j'y suis allée une fois. Et malheureusement, il n'y avait pas de sundae non plus. Donc ça fait deux fois que j'y vais et deux fois qu'il n'y en a pas. Donc j'étais dégoûtée, mais bon, je suis restée sur ma faim. Du coup, je me suis mangée une compote de pommes. Alors, je suis allée avec ma fille, on a été toutes les deux au Kakou. On a été chez Action et je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Il y a les affaires de ma fille et moi j'ai acheté des choses aussi. Donc ma fille s'est pris pour les muscles. Vous savez, c'est un truc comme ça qu'on met sur les... Pour le dos. Muscles, mais ouais. Je vais mettre sur mon muscle si j'ai des pattes chauffantes. Ouais. Il paraît que ça chauffe et que ça fait du bien, donc elle va essayer, comme elle a toujours mal à son dos. Cette boîte, elle dure longtemps en plus. Hein. Kakou, je l'ai allumé la dernière fois et il... T'as déjà essayé? Ouais, et ça a duré toute la nuit, le matin, il est encore chaud. Ah, ça chauffe bien, hein. D'accord. Ouais. Sinon, tu pars. Sinon, tu descends. Bon, bref, moi, j'ai pris cette boîte. Attendez, je m'approche parce que je me trouve un petit peu loin, je ne me vois pas. Donc, du coup, j'ai pris cette boîte. Il n'y en avait qu'une. Elle est vraiment super. Et la prochaine fois, s'il y en a d'autres, je rachèterai parce que dedans, il y a des bacs comme ça pour mettre les fruits et légumes dans les frigos. Et franchement, je la trouve vraiment bien. En plastique, comme ça, elle est trop, trop bien. Donc, c'est pour mettre dans le frigo. Elle est cool. Voilà. Elle, en plus, elle ne coûtait pas cher. Ensuite, pourquoi tu t'es pris du Ariel? J'en ai de la lessive en haut, à la maison. Oui, mais c'est que je voulais pour le linge noir. Ah bon, c'est pour le linge noir? Bah oui, je l'aime bien en fait, j'utilise depuis longtemps. Mais... Ah bon, ma fille, elle voulait s'acheter de l'Ariel pour sa lessive. Lily, elle s'est pris aussi des lames de rasoir, comme ça, là. Mais pourquoi tu grondes sur maman, là? Non, je te dis, il a les hormones bizarres. C'est bizarre, toi, Kakou, là, aujourd'hui. Depuis hier, Kakou, va te coucher. Ma fille s'est pris des lames de rasoir, comme ça, là. Ah, c'est pas pour moi, c'est pour ma copine. C'est pour sa copine, voilà. Je vais à Action, là, je vais récupérer les trucs. Voilà. Moi, je me suis pris une paire de bas, demi-bas, noirs. Je les aime bien, ceux-là, franchement. Bon, c'est des mi-bas. Hein. J'ai trouvé ça aussi, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est pour mettre... Je pense que la prochaine fois, j'en prendrai d'autres. Et ce que je ferai, c'est que j'en achèterai plus. Et après, je ferai un sachet plus grand. Mais c'est quoi, en fait? C'est des billes de... en fait, c'est des billes de graines de cerises. J'ai pensé à ça, en fait, parce que quand je pars après, juste chez ma sœur, et c'est vrai que, en fait, j'aime bien me mettre ça à la place de l'oreiller sur le rebord de la fenêtre pour que je puisse dormir, en fait, voilà. Et j'aime bien, c'est hyper agréable. Et on peut aussi y faire chauffer. Il me saoule. On peut y faire chauffer au micro-ondes. Tu te calmes. Donc, écoutez, à voir, à tester. Mais je pense que la prochaine fois, j'en reprendrai encore d'autres. Et je me ferai un oreiller, en fait, rectangle. Comme ça, il sera plus gros pour dormir dans la voiture. Et donc, c'est bien ça. Ensuite, j'avais jamais vu. En fait, il y a voilà, c'est du lait. C'est pas du lait d'amande, c'est du lait d'avoine. Voilà, lait d'avoine. Et il n'y a pas de sucre dedans. J'avais envie de tester. Moi, je prends toujours du lait d'amande, mais voilà, j'avais juste envie de tester. Je n'avais jamais vu là-bas chez Action, donc on va voir. J'essaierai demain. Voilà. Ensuite, oulala, c'est quoi ça? C'est mon préféré. Ça, c'est ça. En fait, ça fait comme du bruit quand tu mets dans la bouche, non? Des merdes. Ouais. Bon, ça, c'est à ma fille. Il y en a qu'à Action, on n'a pas hier. Il y en a un deuxième en plus, elle ose le dire. Ça, c'est pour Normalili, c'est pour demain matin. Ça, Normalili, c'est pour demain matin. Ça, j'en ai repris un autre parce que j'en avais pris un noir l'autre fois. Là, et non, tu pars pas avec ça. Ils sont chiants aujourd'hui. Hein. Ils sont chiants en fait. J'en ai repris un autre, mais il est marron, celui-là, je préfère. Donc, c'est un marron. Et il a anti-dérapant, celui-là, il est bien dessous.
Donc ça, j'aime bien ces trucs. Alors on peut le mettre ou sur un fauteuil de canapé, vous voyez. Bon, moi j'en ai pas, mais c'est pour me poser sur mon bureau parce que pour éviter que mon bureau s'abîme, vous voyez. Je trouve joli en marron foncé. Si tu te fais manger, elle me regarde mal. Quand ouais, tu fais attention parce qu'elle va te manger. Elle est gentille, mais faut pas trop l'embêter, hein. Ouais. Et tu le sais, hein, Kakou, hein. C'est parce que Kira est très gentil, mais il l'embête tout le temps. Non, Kakou. Il l'embête et puis après, elle mord. Elle fait juste un trou, hein, et c'est bon. Donc, il faut qu'il fasse attention. Ça, c'est à ma fille. C'est des faux ongles, qui sont très jolis. Oh là là, ils sont embêtants, là. Hein. Ils m'embêtent, là. Bon, alors, elle s'est pris d'autres... Mais en fait, je les lime... Donc, j'enlève le noir qu'il y a dessus. Ah, et donc, en fait, tu t'enlèves... Ça, c'est les mêmes, en fait. Genre, je les raccourcis et je fais la forme que je veux. Et du coup, tu enlèves les paillettes. Ouais, j'ai tout limé. Ah ouais, d'accord. Mais j'ai coupé et limé. Mais elles sont belles, hein. Là, ça fait quoi, une bonne semaine que j'ai dit, je les change. Ça suffit, Kakou. J'en utilise pas parce que je supporte pas. Ça me brûle les doigts. J'ai les ongles tout violets après. Et les bouts des doigts tout brûlés, en fait. Donc, je ne peux pas en mettre. Mais j'aime bien, je trouve ça joli. Ma fille s'est acheté ça, c'est pour ses cheveux. Pour les humidifier. Pour humidifier ses cheveux. Moi, j'ai trouvé ça pour mettre des parfums d'ambiance, vous voyez, dedans. Franchement, je le trouve trop joli. Trop joli. J'adore. Et moi, j'adore mettre des fondants dedans de la marque que j'achète à Vichy. Là. Les bougies de Charroux. Les bougies, voilà, c'est les bougies de Charroux. Et ouais, j'appelle ça des fondants. Et puis, en fait, la vendeuse, l'autre fois, elle m'a regardé. Mais vous croyez où elle me fait hein? Bah, je lui dis, je voudrais des fondants. Elle dit, mais vous n'êtes pas dans une pâtisserie si elle me fait. Elle avait l'impression que je me moquais d'elle, quoi. Et elle l'a mal pris. Et je lui dis, mais ça s'appelle des fondants, quoi, des tartes. Non, j'avais appelé ça une tartelette. Parce que chez Yankee Candle, on appelle ça des tartelettes. Ah, et oui, donc, je lui ai demandé, je lui ai dit, je voudrais des tartelettes, s'il vous plaît. Et elle me regarde, elle dit, pardon. Je dis, bah, je voudrais des tartelettes. Et puis, elle me dit, mais elle l'a mal pris. Elle me dit, mais vous croyez où, là? Elle me dit, vous n'êtes pas dans une pâtisserie, ici. Je dis, mais je lui dis, ça s'appelle bien des tartelettes. Et je dis, moi, j'appelle ça des tartelettes. Mais vraiment, elle était un peu énervée, quoi. Je dis, bon, on se calme. Et alors, moi, j'ai pris ça. Alors, ça se trouve dans le rayon, c'est pour la jardinerie, normalement. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa pour ranger des pinceaux. Bah oui, carrément. Voilà. Donc là, il y en a... Ça va tomber dans le trou, ouais. Non. Alors là, il y en a un qui est entier, là. Et puis après, ceux-là, ils sont séparés. Donc, je vais essayer. Il est noir, il est joli en métal. Je me suis dit, bah écoutez, pourquoi pas, on va essayer. Je trouve ça pas mal. Donc j'ai des idées. Hein. Et ça, c'est pour mettre les baguettes. Pour changer, parce qu'on en a à la maison, mais j'avais envie de changer. Je trouvais trop joli. Les baguettes. Bah, le pain. Ah, je me dis, papa, baguette, les baguettes chinoises. Non, mais comme on achète tout le temps des baguettes aux céréales, vous voyez. Et je trouve ça plus joli. C'est plus joli avec le couteau à pain dedans. Je trouve ça beau. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai dit, je vais le prendre. Et normalement, c'est ma fille. Elle me dit, maman, avant d'aller au McDo, on peut passer chez Action. Je dis, bah, pas de problème. Et puis, elle me voit partir avec mon petit sac que j'ai fait. Et elle me dit, mais maman, tu prends des choses? Je lui dis, normalement, non, mais bon. À chaque fois qu'on va chez Action. Moi, je préfère aller avec une idée en tête parce que sinon, je pars avec toi. Ouais. Mais moi, je préfère pas y aller du tout. Ça, c'est ma fille, c'est un carnet. Il est vachement bien, j'en ai acheté un comme ça aussi, pour noter. J'espère que ça va aller, l'aquarelle, dessus. Ah, bah non, maman, c'est fait pour ça, c'est des... Tu verras bien. C'est pour faire de l'aquarelle? D'accord, c'est pour faire de l'aquarelle. Ça, c'est encore à ma fille, la gourmande. Ma fille s'est pris aussi notre petite paire de boucles d'oreilles. Ah oui, elles sont trop belles, c'est les nouvelles qui sont Elles sorties. Sont très jolies. Elles sont encore, vraiment... c'est pas les plus Et elles sont en plaque et or. Ouais, c'est très joli. Les autres, elles sont encore plus belles. J'ai repris, moi, du produit pour les toilettes au citron. J'aime bien l'odeur du citron. Ça, c'est à ma fille. C'est un bracelet. Il est en pierre précieuse. Ah. Et ça, c'est pour, du coup... Ça, c'est à ma fille. Parce que j'ai déjà l'ensemble, là. J'ai celui-là avec ce bracelet-là, le soleil. D'accord. Et là, c'est l'étoile. Ouais, c'est l'étoile. Et
C'est pour enlever la négativité, pour avoir du courage. C'est comme ceux que j'ai à la maison, là, que j'ai reçu de la marque Clé Dorée. C'est des bijoux, c'est de la lithothérapie. Pour avoir du courage, pour se confier, rester focus. Et pour maintenir les émotions correctement. Voilà. Je savais pas qu'ils en faisaient chez Action. Si, depuis que ils commencent, j'ai des colliers là. D'accord. Il est beau le collier d'ailleurs, que j'ai tout le temps sur moi. Ah ouais, d'accord. Pierre, et là, j'ai vu l'étoile. Bon, c'est bien. C'est joli. Et elles sont où? T'en as acheté d'autres? Oui. Bah, écoute, elles sont peut-être tombées parce que je les ai pas là. Oh non, c'est les plus belles. Ah, bah, peut-être qu'elles sont tombées dans la voiture. Hein. En tout cas, voilà ce qu'on a acheté. Bon, moi j'ai quand même été un peu raisonnable. Ah, elles sont belles. C'est Lily qui a dû les piquer, je pense. Ah ouais, elles sont très jolies. Regardez, ouais, elles sont comme ça là. Elles sont très belles. Hein. C'est la prochaine fois je les prendrai. Ouais. Très jolies, j'aime beaucoup. Bon ben voilà, écoute, bon, moi j'ai quand même été assez sérieuse. Hein. T'as plus craqué que moi. Hein. Oh monsieur, c'est des petites choses, j'en ai eu pour 30 euros, je crois. Ouais. Bon, 24, ouais. C'était c'est vrai que même la semaine dernière, j'ai été raisonnable, j'y suis allée, mais j'en ai pour moi pareil dans le même prix. Voilà, bon, bah écoutez, moi cette fois-ci, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt et ciao.